Bonjour et bienvenue la famille, ça me fait plaisir de vous retrouver. Merci de nous retrouver pour un nouvel épisode. Tout d'abord, avant de commencer, je tenais simplement à vous dire bonne année, bonne santé, tous mes vœux de bonheur. Merci pour les 30 000 abonnés. Encore merci pour le soutien et toute la force que vous m'avez témoigné sur la dernière vidéo. Dans cette vidéo, ici à Drap Autoconcept, eh bien, on va partager un truc qui me rend déjà tout excité. Comme tu as pu le voir, bah, effectivement, la GTR est partie. Je dispose d'un budget qui est quand même très confortable. Mais en même temps, cet argent-là, j'ai pas envie de le dépenser bêtement dans une voiture qui va être conséquente. Et j'ai envie de me lancer dans une nouvelle activité. C'est-à-dire, ça va être de l'achat de voitures, mais aussi de les customiser. On va les personnaliser à notre goût et on va les mettre en vente. Et on va te partager un peu le parcours de... comment on recherche la voiture? On va te partager nos road trips, évidemment, nos expériences quand on part en avion. L'aventure commence. Au décollage, 5 minutes de retard. Nous arrivons avec une demi-heure de retard pour un problème de régulation. Et ils viennent de nous dire que la passerelle était en panne. On revient, on roule la nuit avec la nouvelle voiture qu'on va aller récupérer. Les réflexions qu'on va avoir autour des différentes modifications, ça peut être pose de kit, covering, vitre teintée, feu fumé. Et puis après, on te partagera aussi la vente de cette voiture. Comment l'idée est venue? Bah en fait, je vais être sincère avec toi, cette idée-là, elle se fait tout à fait naturellement. Nico, je le connais depuis de plusieurs années hein, maintenant, je crois qu'on peut le dire. Mika, on s'est rencontrés. Je vais dire de suite pour voir. Et après je te donnerai le regarde site. La tête derrière, il ressemble pas à Chouache. Hein. Tu te connecteras, mais fais gaffe pour quand tu te les fais livrer, tu changes l'adresse. Et sur le tournage de la Mercedes vaisseau, c'était le AMG GT63S. Voilà, le GT63S qui avait été wrappé aussi par Nico. Le Mini Mélo, rencontre, partage, chacun ses compétences. On s'est dit, bah pourquoi pas essayer de faire quelque chose et de vous partager un petit peu tout ça en vidéo. On va pas tout vous dire dans cette vidéo, mais la prochaine vidéo, on vous dira sur quel modèle de voiture on va choisir. C'est une voiture en édition limitée, c'est une sportive gamme 300 chevaux, mais c'est une très très belle voiture qui va être très bien optionnée, mais ça, sincèrement, je veux que tu attendes la prochaine vidéo. Donc, je te remercie d'avoir suivi jusqu'ici, c'était une toute petite vidéo, toute simple et efficace. Dis-moi si tu valides l'idée qu'on te partage ce nouveau projet, n'hésite pas. Et puis si tu as une idée du modèle de voiture, c'est une compacte 5 portes, 300 chevaux, c'est illimité. À toi de trouver.